quand Jacob a dû fuir de la maison de ses parents, la maison de Yitzhak et Rivka, dû au fait que Esav a promis, il a juré qu'il va le tuer. Rivka dit à son fils, ensemble avec son père Yitzhak, va chez mon frère, va chez ton oncle Lavan. Et tel que ton père a trouvé la rose, Shoshana ben Achochim, cette rose parmi les épines, Rivka, toi aussi tu vas trouver encore d'autres fleurs dans cette forêt d'épines. Lavan est compagnie. Et certainement, Rivka lui a dit de quoi il faut qu'il s'attende. Ne pense pas que Lavan a le même mode de vie que Yitzhak. Lavan, c'est un menteur. Lavan, c'est un voleur. Lavan, c'est un homme malhonnête. Et tout ce qu'il y a de négatif, tu vas trouver chez lui. Yaakov se prépare pour cette rencontre. Yaakov se prépare pour ce voyage qu'il est en train d'entreprendre. Et au milieu de la route, il s'arrête. Vayivgabamakom. Il fait sa prière. Vayalensham, il se repose là-bas. Et comme nous avons vu hier, qu'il a pris des pierres pour se protéger autour de sa tête. Et là, il rêve. Il voit dans son rêve cette image, cette vision, comme une échelle qui est plantée dans la terre et le bout de l'échelle, le haut de l'échelle qui atteint à l'intérieur du ciel. Et les malachim et les anges, olim v'yordim bo, les anges qui montent et qui descendent. Là, il a compris que sa mission, elle est de fusionner, d'unifier ciel et terre. Pour que terre devienne imprégnée par le message divin et pour que le message divin se retrouve ici-bas sur terre. Comment ça se fait? Par notre élévation, Malachim, les anges qui montent, l'effort que nous devons faire, que Jacob doit faire pour se rapprocher de Dieu. Et là, Dieu revient et se dévoile et illumine le monde. Jacob, il a peur de cette mission. C'est une mission extrêmement dure. Comment est-ce qu'il va réussir? Sa mission, sa peur, sa crainte est encore plus fortifiée par le fait qu'il a entendu ces 12 pierres se disputer. Il a pris 12 pierres correspondant aux 12 tribus. Et là, il entend comme les 12 tribus chacun prétend à que le tzaddik doit reposer sa tête sur moi. En d'autres mots, c'est moi qui va pouvoir mener, c'est mon chemin, c'est ma voie, c'est ma manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est mes midot, c'est mon comportement sur lequel le tzaddik va reposer, et c'est de cette manière qu'il va accomplir sa mission. Et chacun, comme pour dire, tire la couverture de Yaakov vers son coussin, vers lui, en disant, c'est par moi que Yaakov va réussir. Yaakov, il voit ses opinions divergentes qui n'acceptent pas l'opinion de l'autre. Il a très peur. Manora, c'est dangereux. Mais ensuite, au matin, quand il voit que va Evenazot, ces 12 pierres se sont unifiées, se sont fusionnées, sont devenues une pierre, là, Yaakov, il dit, je vais réussir. J'ai rien à craindre. Enzekim bet Elokim. Cet endroit, c'est la maison de Dieu. Ce qui veut dire par là, comme nous savons que ça c'était l'endroit où Akedat Yitzhak, où Yitzhak a rencontré Rivka, et c'est l'endroit où il a son rêve, c'est l'endroit que le premier et deuxième Beth Amikdash ont été construits et malheureusement détruits, et finalement le troisième aussi sera construit, et le troisième sera éternel. Enzekim Beth Elokim, ça c'est la maison de Dieu. Pourquoi? Puisque c'est Evenazot. Les 12 opinions se sont fusionnées. Ils s'acceptent. Ils reconnaissent la valeur de chacun. Ils reconnaissent que chacun a un rôle important à jouer dans cette mission harmonieuse de tous les 12 tribus. Le Beth Amikdash, dit Yaakov, peut être construit quand il y a cette harmonie, quand il y a cette acceptation
de l'opinion du prochain. Bien sûr, des opinions de Torah et Mitzvot. Mais même si elles sont différentes que la mienne, chacun a sa manière de pratiquer, on reconnaît, on accepte et on le valorise. Dit Yaakov, pour arriver à la porte du ciel, pour que le ciel s'ouvre et pour que le ciel nous envoie le Beth Amikdash, comme nous savons que le troisième Beth Amikdash, il descendra du ciel, Shara Shamaim, il viendra par cette porte céleste. Ceci vient par le fait que nous sommes tous unifiés. Eh bien, cette vision que Yaakov a vue il y a plus de 3,5 millénaires, aujourd'hui, elle s'avère. Et pour nous, ce ne sera pas une vision, mais Bezrat Hashem, aujourd'hui même, ça sera une réalité. Nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash avec Mashiach.